Donc le deuxième débat, c'est sur les parfums. Si j'ai les noms, ça sera... Alors ça sera donc, il y a Exotique, Merlan, Chaussure et Priscilla. Allez. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salut à tous. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Ça va? Alors, c'est quoi la première? Bon, hey, tu as déjà commencé à te calmer, s'il te plaît. Excuse. On va pas faire un deuxième débat, merde. D'accord. Ouais, ok. Oh, ça commence, ça va pas commencer, d'accord. Donc, quel est votre parfum préféré? Alors, Chaussures, je peux répondre? Ouais. Fleur d'anus de chez Jean Pest. Exotique, surtout les parfums qui sentent bon. C'est-à-dire? Ceux qui. Que j'aime bien, quoi, toi. Ouais, mais quoi? En fait, ceux qui me procurent grâce au nez des envolées et tout, qui me font halluciner, quoi. Mm-hmm. Tu sais, il y a des parfums hallucinogènes, hein. La drogue? Non, des non, parfums. Non, pour qui c'est qu'on a d'autres Non, mais c'est comme les bons vins. Hein. Oui. Priscilla. Oui. Donc toi. Moi, j'adore les parfums pour mecs. C'est-à-dire Tu sais pourquoi? Non, mais qui c'est qu'a du monde derrière, là? On va gérer. Virez-le. Les parfums de mecs, ils sont plus corsés, c'est pour ça. Ouais, mais moi, j'adore sentir les parfums de mecs. Ouais, mais t'as du nez, toi, mais... Comment? T'as du nez ou pas? Oui, j'ai vachement de nez. Et c'est qui parle, là? C'est Priscilla. Ouais, Priscilla, mais explique, dis-moi à peu près quel parfum. Ouais. Tu veux des noms? Bah, n'importe quoi, tu donnes. Alors, un parfum épicé. Ouais. Avec du musc. Mmh. Enfin, je sais pas, un parfum. Ça ressemble pas du tout à la Didas. Hein. Un parfum enivrant. Non, pas du tout, non. Mmh. Chaussure. La Didas, ça doit être une goutte d'eau, et puis on sait pas trop quoi. De la pisse d'âge. Ouais, enfin, des substances qu'on connaît pas encore. Ouais. Genre, c'est des trucs qui tuent les mouches. Chaussures. Mon parfum, en fait, je paye vachement cher. Non mais attends, hey. Chaussures, tu as pas commencé à attaquer la deuxième question avant moi, d'accord? Pourquoi c'est pas la deuxième? Ah, il y a ceux qui l'ont sur Internet. Non mais là, ça commence à bien faire. Hein. Il faut dire au standard qu'il est bien. Bon, Merlan. Ouais, ta question exactement. C'est quoi? C'est quel est votre parfum préféré? Ouais, il faut dire une marque ou pas? Non, sans citer de marque. Tu dis si tu préfères le parfum... Les chiottes. Non, mais soit le parfum... Moi, Gérard, je fais collection des bouteilles de parfum. C'est-à-dire? Bah, j'en fais collection. Moi aussi, on peut faire des échanges si tu veux, j'en ai plein d'autres. Ah, mais t'en fais quoi une fois que t'en fais collection? Bah, de toute façon, le problème, c'est que bon, les bouteilles, elles me durent pas trop longtemps, quoi. Mais tu les gardes quand tu fais la collection ou pas? Disons que moi, ce que je pense lorsqu'une femme m'offre du parfum, ouais, c'est bien. Tu gardes la bouteille en fait. Ça n'a rien à voir avec ce que je dis. Ouais, c'est vrai. Non, mais alors pour l'instant, vous avez pas commencé à me foirer le débat, les trois mecs. Ouais, c'est la première question, ouais, ça part déjà en couille. Hein. Ouais. Ouais. Bon, enfin, c'est pas grave. La 8e, non? Ouais, tout à l'heure, tu as attaqué la 8e chez toi. Et toi, c'est quoi ton parfum préféré en fait? Moi, moi, j'y suis pas. Ta gueule, c'est quoi toi? Mais qui c'est qui me pose cette question? C'est Exotique. Ouais, enfin, faudrait peut-être te réveiller quand je demande ton nom, s'il te plaît. Excuse-moi, c'est bon. Non, mais moi, tu m'entends pas grand-chose, mon téléphone est pourri. Ah ouais, mais si t'es avec un portable, c'est pas la peine. Hein. Mais non, c'est pas un portable, c'est un pauvre téléphone que j'ai pas payé, il est pourri. Ouais, ça s'entend, hein. Excuse-moi, on n'est pas tous riches, hein. Donc, alors, moi, j'aime toutes sortes de parfums. Ah, mais c'est à dire? Je citerai pas les noms, c'est tout, je fais pas de pub. Ouais, mais des parfums forts ou... du fort ou... C'est quoi que t'as mis ça? Hein? C'est quoi que t'as mis ça? Jump? Non, ce soir, j'ai mis de... Rapproche-toi du micro, que ça sente bon. Rapproche-toi, Constante. Non, mais ça y est, de toute manière, je vous donne pas le nom. T'as mangé quoi? De l'ail. La chatte de Sandy. Ah ouais, c'est ça. C'est alors, bon. Je préviens tout de suite que le premier qui va s'amuser à déconner sur quel... comme ça, ça va gerber sec. Hein. Comment elle s'appelle, ta copine? Ça te regarde pas. Ah ok, ça te regarde pas, c'est bidon comme ça. Enfin, tout le monde le sait, mais ça me regarde pas. Voilà. Alors, deuxième question. Ouais. Combien payez-vous une bouteille de parfum? Alors, je peux vous dire tout de suite qu'il y a différents prix. Hein. Ouais, moi j'ai alors, attends, chaussure, on va quand même demander après. Exotique, je réponds. Non, mais exotique, s'il te plaît. Non, pas préservatif, exotique. Exotique, on va demander à Priscilla, ça... Mais non, quoi, elle en premier? Parce que j'ai une fille. Ok, excuse-moi. On a qu'une fille là au standard. Ah bah maintenant que tu l'as fait chialer, c'est clair qu'elles veulent plus appeler. Hein. Ouais, mais c'est pas grave, on a dit que c'était une affaire oubliée. Ouais, je vais être leur porte-parole. D'accord. Vas-y, c'est quoi ton prénom? Priscilla. Ouais, c'est Priscilla. Oui.
Donc pour toi, combien que tu paies? Alors je répète bien la question, hein, pour que tout le monde la comprenne, parce que je veux pas qu'on me dise ouais. Combien tu mets pour acheter une bouteille de parfum? Combien payez-vous une bouteille de parfum? Ouais. Moi, chaussure, tu vois, j'ai jamais acheté un seul parfum pour moi. En revanche, j'en offre souvent à mes amis. Et la dernière fois que j'en ai acheté, c'était 400 balles, c'était pour ma mère. T'as c'est cher, hein? Bah ouais, mais en plus. Parce que aux environs de Noël, ils font des soldes, hein. Ouais, mais de manière. Soldés en plus. Ouais, mais Priscilla. Et c'était quoi la marque sans la citer? C'était, je sais plus, Kenzo, je sais pas trop ce que c'est. De quoi? Allô Gérard? Ouais. Ouais, c'est chaussures. Bah moi je voulais te dire que mes bouteilles de parfum, en moyenne, je l'ai payé 17 000 francs. Combien? 17 000. Non, non, attends, là, non, là, je crois que, là, t'essayes. Je vais pas dans le bas de gamme. Mais non, mais non, non, mais attends. Ah, mais t'habites où, Neuilly, non? Non, pas du tout, j'habite dans le 16e arrondissement. Ouais, ouais, non, mais attends, j'ai jamais. Avenue Victor Hugo. Ouais, bah c'est bien, bah voyons, pour, tu veux pas donner non plus ton nom de famille et puis tout non plus, non? C'est Boulard, son nom, c'est Boulard. Boulard. Donc, 14 rue Avenue Victor Hugo. Ah bah bravo. Le 16e. C'est pas très gentil. Et ta mère, elle est pas parfumeuse? Oh, ça y est, là, s'il vous plaît, merci. Je vais polie avec ma mère, s'il te plaît. Bah on te demande si elle est parfumatrice. Bon bah, hé Merlan. Parfumière, on est. Ouais, pareil. Bah écoute, la DAF, hein, c'est pas... Bon, ça y est. Donc, exotique pour toi? Ouais, eh ben écoute, moi je préfère bien les parfums, en fait, discrets. Mais en fait, j'avais une question. Parce qu'on parle du parfum, mais tu sais, ça nous rappelle un livre aussi. Tu connais, tu vois quoi? Le parfum. Ah, exactement, très bien. Et en fait, je voulais savoir si toi, tu te rappelles des parfums de ton enfance. Non, mais pour l'instant, je te demande combien que tu mets, combien payez-vous une bouteille de parfum? Pas grand-chose, tu sais, j'ai pas beaucoup d'économie, quoi. Mais si j'avais un cadeau à faire, si c'était un parfum... Je sais pas, je pense que un petit parfum tranquille de 150 francs. Non. Ouais. Bah c'est pas beaucoup hein. Ouais non bah mais attends, ouais, Priscilla. Priscilla. Bah ouais non mais tu sais pour un vrai parfum faut. Ouais, faut mettre le prix mais je parle d'un petit flacon, je parle pas d'un grand. Ça pue le pied hein. Eh Priscilla. C'est Gérard. Priscilla, oui. Moi je peux te dire une chose, même chaussure Merlan et exotique. Oui. Moi je peux vous dire une chose que j'ai travaillé. Dans le parfum. Et moi je peux vous donner un prix. Et ça Priscilla. Le prix de la bouteille de parfum que tu m'as annoncé à 250 francs, je veux dire une chose, 450. Moi, je peux te dire une chose, qu'une bouteille pour une fille, tu me diras, je donne pas la marque du parfum. Oui. Et ben moi, je peux te dire une chose, que ça varie. Attends, tu permets? Oh c'est quoi, ouais, il est vénère, chaussure, là. Eh, ça commence, vous me laissez l'arrêt. Vas-y, combien? Moi, je peux te dire une chose, la bouteille... Oh, chaussure, tu t'écrases. D'accord. Combien? La bouteille de parfum, ça tourne entre 2000 et 5000 francs la bouteille. Ouais, mais pourquoi? N'importe quoi, il connaît rien. Ouais, j'y connais rien. Alors, dans ces cas-là, va sur les Champs-Elysées, c'est Léonard Parfum, et demande du balai. Va voir à combien qu'elle est. Du balai? Du balai. Du balai, mais poils durs, pour les feuilles ou pour la poussière? C'est bon, tais-toi. Tais-toi parce que... Arrête, tu vas me faire pleurer, Gérard. Attends, un balai, je te parle du balai, abruti. Un balai de 1000 francs sur les Champs-Elysées, Gérard. Il est fou. Bon, ouais. C'est le prix d'une motocross, pas d'un balai. Vous êtes tous les deux barjots. Dans des petits supérettes et tout ça, tu trouves des parfums beaucoup moins chers qu'à ce prix-là. Ben oui, c'est ça. Si tu fais tes courses sur les champs, c'est ton problème. Maintenant, pose la troisième question parce que je crois qu'on va faire le tour de la deuxième. Gérard, c'est Merlan. Allô? Ouais, je t'écoute. 20 balles. Ouais, je viens de poser une question, mais je vois que personne m'en veut. Le parfum sur Suresnes, ça coûte combien? Ça te regarde pas, et puis arrête de dire Suresnes, s'il te plaît, parce que je commence à en avoir ras-le-bol. Pourquoi on n'a pas le droit? Pourquoi? Ok. T'as dit qu'il fallait pas donner de marque tout à l'heure, et t'as donné des marques. Ouais, alors moi, je peux vous dire une chose que... Merlan. Quoi? Merlan, j'ai pas répondu. Pas tous en même temps, laissez répondre Gérard de temps en temps. Ah, mais est-ce qu'on nous entend bien? Eh oui. Bon, bah parfait. Ah, vas-y, Merlan. Ouais, bah je disais à peu près 300 balles, mais il paraît qu'à Suresnes, bon, vu que t'es un bourge, toi, ça va être plus cher là-bas. Ouais, mais lui, il a des, t'as des promotions, toi, de temps en temps, tu les connais bien. Sur la transpiration, surtout, il a de la promotion. Qui c'est qui vient de dire ça? Comme t'es connu, ça se trouve, t'as ton parfum à ton nom, non? Qui c'est qui vient de dire que ça sentait la transpiration? Tu t'en fous, Gérard. On s'en fout, je te demande si, en fait, t'aimerais bien avoir ton parfum. Attends, on s'en fout, tu permets C'est Merlan. J'ai le droit de dire ce que je veux. Non, mais tu t'en fous, Gérard, c'est Merlan. Alors? Bah là, réponds. Bah dis ton nom toi. Eh ben c'est exotique, réponds. Exotique. Moi je te dis, j'ai déjà travaillé dedans et je peux te dire que la bouteille ça tourne entre 2005 et 3000. Ok, alors troisième question. Troisième question. Avant la troisième question, Gérard, on accueille Guitare.
Ouais, et j'ai aussi un petit message Minitel. Salut à tous. Message Minitel. Ouais, j'ai un petit message Minitel de Schmoldu qui dit, bah, puisque t'as... Enfin, on sait maintenant que t'as travaillé dans le parfum, mais pourquoi t'es pas tombé dedans? N'importe quoi. Ça, et à mon avis, c'est une question qui te regarde pas, hein. Gérard. Eh, celui qui s'amuse à répondre à ma place tout à l'heure, il va dégager sec. Gérard, des chaussures à l'appareil. On verra ça plus tard. Je veux juste savoir, à ton avis, Gérard, ça dure combien de temps une bouteille de parfum? Ça dépend. Ça dépend en combien. Ça dépend, si tu t'en mets plus sous les bras, ça dure moins longtemps à mon avis. Et ouais. Qui c'est qui parle comme ça? C'est Exotique. Ouais, mais Exotique, tu laisses parler les gens et tu réponds pas à ma place, d'accord, s'il te plaît, merci. Réponds, ok, maintenant c'est la troisième question. Gérard, avant la troisième question, excuse-moi, chaussure. Combien de temps ça dure une bouteille de parfum pour toi, Gérard? Je t'ai déjà répondu. Hein? Ouais. Eh, hey, Gérard. Est-ce qu'on peut mélanger toutes sortes de parfums, à ton avis? Chaussure ou merlan? Eh, vous commencez à me brouter de répondre avant moi. C'est les questions. Là, vous avez été piqué. Il y en a qui disent que quand tu mets le parfum sur la peau, ça peut t'abîmer la peau. Est-ce que toi, tu t'en es mis sur la gueule? Et toi, est-ce que t'en as mis sur ta queue, espèce de con? Pas d'insulte, Gérard. Crois qu'il y a une insulte, là. Ah, Gérard. Est-ce qu'on peut avoir un juge ou quelqu'un qui peut noter une insulte? Ouais, Gérard, c'est Merlan. C'était pas beau, hein. Enfin bon. C'est Merlan, Gérard. Ouais, Gérard, c'est chaud. Un peu de pub. Oh, on va Gérard. Peut-être passer à la pub. Gérard, c'est guitare. GG, peut-on se laver au parfum avec un scotch brite? Bon, allez, ouais. Bon, moi, je continue plus. Non, moi, les mecs, ils ont été chercher les questions, ils font le débat à ma place et c'est tout. Mais attends, on n'y peut rien si c'est le modernisme. Ils ont non, mais Internet. T'as pas faire de conneries, toi, non plus. Elles sont sur le Minitel, en plus. Alors, tu continues le débat, et puis voilà, quoi. Faites-vous dans les toilettes. Ah, vous calmez-vous. Gérard, c'est Merlan. Oh là là. Gérard, bon, le standard, là, tu fais quoi? Bah, tu m'as dit de virer personne, hein. J'attends qu'ils disent. Bah, tu leur demandes qu'ils se calment. Ok. Ça commence à bien faire, là. Non, mais t'as raison, Gérard. On va attendre qu'ils se calment. Manu va prendre donc les 6 auditeurs, hein, bah, Gérard. Non, il y en a pas 6. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai que 5. Bon, bah, ça va prendre 5 minutes. Donc, voilà. Sinon, ça se passe bien, Gérard, le débat? Non, avec tes conneries, non. Et sinon, à part ça, ça se passe bien, le débat? Ils sont sympas, les auditeurs. Ouais, comme par hasard, tout le monde a déjà les questions. Je sais pas qu'ils ont été les chercher, mais tout le monde a Internet, déjà les questions. Sur Internet. Mais ouais, qui c'est qui a été les mettre sur Internet, c'est toi? Mais non. Non, c'est qui? Bah, je sais pas, mais bon, tu sais, il y a des taupes, hein. Ouais. Il y a des taupes dans toutes les sociétés, Gérard. Mmh. Okay. Comme toi. Ok, bon, on peut y retourner, là. C'est bon, Manu, ils sont calmés? Manu? Bah non, pas encore, hein. Attends. Ah, okay, bon bah attends, ouais, attends, du boulot, hein. Ah bah non. Bon bah on va continuer. Sinon, ça va? Non mais on voit un disque, comme ça on va pouvoir les calmer après. Mais non, on a repris depuis 5 minutes déjà, on va pas remettre un disque déjà, ils vont être calmés. Ça y est, c'est bon. Bon, tu vois, Manu, gère bien. GG. Quoi? C'est quoi ta chaîne préférée à la télé? Non mais ça y est, donc faites-vous collection des bouteilles de parfum. Donc comme j'ai entendu Presselia qui a dit oui. Non mais moi je fais collection de paquets de cigarettes. C'est pas le thème du débat, d'accord? Pourquoi? Et tu donneras ton nom. Et tu éteindras la radio, s'il te plaît, derrière toi, merci. C'est exotique et j'ai pas la radio allumée. Bon, alors donc, toi tu dis non, pourquoi? Parce que je faisais pas collection de ça avant. Mm-hmm. Et t'as toujours collectionné les paquets de cigarettes? Bah, ça fait, je sais pas, j'ai commencé, quand j'ai commencé à fumer. D'accord. Merlan? Ouais, tu peux m'appeler Planton, si tu veux. Non, je trouve ça un peu con de faire collection de parfums, quoi. Pourquoi? Parce que je trouve bouteille vide de parfum, je sais pas. T'es fermé d'esprit, mais non, hein. Ouais, mais il y en a des belles. Non, mais il y a des belles. Oui, comme qui c'est qui vient de dire? Exotique. Mmh. Ouais, mais donc, alors, toi, ouais, tu fais collection des bouteilles, des paquets de cigarettes et tu dis que maintenant qu'il y a des belles bouteilles de parfum. Non, mais attends, faudrait savoir ce que tu collectionnes, mon pote. Bah ouais, mais c'est pas parce que tu fais collection ou c'est tu vrai, comme, y en a qui font collection de gun, hein, je vais te dire, c'est ouais, pas en fait, te Gérard, c'est guitare. Ouais. Moi je fais collection, en fait j'ai pas les moyens de m'acheter des parfums, je fais les collections des déodorants. Eh hey, guitare, est-ce que t'as de l'Antarctique? On voulait savoir si t'étais barbu. Ça a aucun rapport. Je fais d'ailleurs aussi les collections des bonbonnes de mousse à raser. Pourquoi? Bah des vides, hein. Ouais, mais rien. Des belles aussi, hein. Ah ouais, c'est clair. Non mais vous laissez parler précis. Non mais vous laissez... Merci, Pulda. Ouais, t'arrêtes s'il te plaît, là, un peu. Guitare, je peux continuer? Bien sûr, guitare. Priscilla. Vas-y, gratte. J'ai pas fini, Gérard, c'est guitare. Ouais, guitare, bah pendant qu'il se démêle avec les autres au standard. Je voulais savoir, il y en a qui disent le parfum, quand tu le mets sur la peau, ça l'abîme. Est-ce que Gérard s'en est mis sur la gueule? Je sais pas. Alors, guitare, tu dégages. Alors, guitare, tu dégages. Ah
Eh hey, mais c'est pas moi, Gérard, on me posait une question. Allez, gratte, hop. Non, tu dégages. Non, tu dégages. Eh ben, Fildar, t'arrêtes s'il te plaît de jouer déjà avec... Gérard, on en est à la 4. T'as même pas reconnu qui c'était. T'es vraiment bouché. Gérard. De quoi? Gérard, tes chaussures. De quoi? On voulait savoir si on pouvait parfumer le sexe de sa copine. Non. Ben non. Non. Oh, le deuxième sang, là. Ben moi, je sais comment on peut... mettre du parfum sur le sexe de sa copine. Ah, comment on fait? Vas-y, exotique, vas-y. Bah, tout simplement, tu prends des fruits et puis tu vois quoi, tu les presses bien. Des melons. Tu mouilles bien tout ce qu'il faut bien. Et puis, ça va forcément sentir quelque chose. Hein. Ouais, Gérard, c'est Merlan. C'est clair. Eh, hey, Gérard, t'as déjà fait ça avec. Voilà. On n'a pas le droit de dire son nom. Non. Baleine. Gérard, non. C'est Merlan. T'as fait la collection, toi? Brasilia. Il fait déjà la collection de conneries. Il fait la collection des échantillons de parfum. Ouais, il paraît qu'il faisait la collection des cotons-tiges aussi. Mais ça, bon, pas le dire. Bah, je sens que on va couper vite fait. Il est déjà 3h15, celui qui s'amuse derrière, il va s'amuser. Quatrième question. Il va continuer. Donc non, ça va aller. Comment? J'ai mal entendu là, Priscilla. Non, c'était une blague. C'est pas grave, on accueille Jeanne. Salut Jeanne. Bonjour Jeanne. Encore une meuf, c'est bizarre ça, tiens. Bonjour, c'est dingue, hein. Ouais. Bah, je voulais dire que salut Jeanne. Bonsoir. Eh, hey, guitare. Ouais. Oh. Et pareil, tu collectionnes du vent aussi. Bon. Ouais, mais du vent qui sent bon. Ah, d'accord. Exotique. Ouais. Exotique et guitare, vous commencez à vous calmer, s'il vous plaît. Il y a que chaussure qui est calme, hein. Bah, il est gentil, chaussure. Ouais, il est tout sympa. Ouais, mais un peu trop. Non, mais vous allez quand. Bon, ça nous regarde pas. Oh, guitare et exotique, vous la fermez, s'il vous plaît. Je dis rien depuis tout à l'heure, c'est guitare. Ouais, mais vous vous calmez, s'il vous plaît. Ok, quatrième question. Active un peu, bougez. Y'a pas de problème. Mais quand même, on va pas prendre en photo. Hein. On en est à quelle question, là? Donc, Jeanne. Oui, quelle était la question, s'il te plaît? Donc, combien faites-vous collection des bouteilles de parfum? Ouais. Pourquoi? Non, je trouve que ça fait joli sur une étagère. Ouais, mais vides ou pleines? Elles sont vides ou pleines? Ouais, au standard, s'il vous plaît, là. Au standard, s'il vous plaît. Bah ouais, mais c'est toi le chef, moi j'attends que tu me dises qu'il virait, hein. Eh, moi je pense, c'est exotique, je pense qu'il faut. Eh, celui qui s'amuse dans les studios derrière, t'arrêtes tes bêtises avec le double son. Merci, Olivier. Je pense qu'il vaut. Gérard, et c'est exotique, je pense qu'il vaut mieux. Tu parles beaucoup d'exotique de parfum. Exotique, pardon. Bah plein, hein. Parce que ça doit coûter plus cher que vide. Bon, Manu, s'il te plaît, tu me calmes. Exotique et guitare un peu. Parce que ça commence à bien faire plus. Alors, exotique et guitare, du calme. Non, mais c'est pas comme ça qu'on est calme. C'est comment alors? On a le téléphone. Ah, ok. Ok, Manu. Et moi, ce que je trouve, c'est vrai qu'on n'entend pas assez. Exotique et guitare, vous vous calmez. Et sans le micro allumé, Manu. Ouais, s'il te plaît. Ah, sans le micro allumé, pardon. Arrête d'être con. Si c'est pour faire le clown, autant qu'il prenne le standard à ta place, celui qui est à côté de toi. Ouais, c'est Gérard. Hein? Oui, c'est vrai. Donc, Jeanne. Oui. Bah donc... écoute, je te disais, ça va être très joli sur les étagères, c'est pour les décors, quoi. Hein. Mmh. Donc voilà, quoi, je les dispose, ils sont beaux à ma vue, puis voilà, tout est bon. Hein. D'accord. Et toi, Priscilla? Oui. Donc, comme tu as dit tout à l'heure, tu faisais collection maintenant que ça se calme. Oui. Bah, donc tu vas pouvoir réagir. Effectivement, collection des bouteilles de parfum. Sans déconner, Priscilla? Moi, je dirais qu'une chose, ça se calme parce qu'on le veut bien. Non, ben, parce que c'est moi qui décide de que ça se calme, mais c'est tout. Non, je crois que c'est pas un rêve, Gadjo. Oh, ouais. Eh, GG, est-ce qu'on peut parfumer un chien? Un animal domestique? Je pense. Avec du brisard. Je sais pas, est-ce que son chien. Olivier, parfume... s'il te plaît, tu arrêtes tes conneries. Merci. Quelle autorité, GG. Moi, je voulais savoir une chose. Ça va bien, mais c'est dommage. Ça m'intéresse. C'était quoi la quatrième question? On y vient. Alors, combien de temps? Quatrième, combien de temps vous dure une bouteille de parfum? Bon. Alors, exotique, Merlan, chaussure et guitare, vous la fermez? On a rien fait. Ah, moi j'ai rien fait, Gérard. Alors, Olivier, tu arrêtes, s'il te plaît. Oh là là. Chut, Olivier, arrête, c'est bon. S'il te plaît. Olivier, en fait, Gérard, Olivier n'est pas là, il est parti. Hein. Ah ouais. Ouais, il est dans le bureau, il est en train de faire le clown. Gérard, c'est Priscilla. Oui. Bon. Oui. Allô, c'est Stéphanie. Oui. Oui, c'est Jeanne. Déjà, tu peux poser ta question, s'il te plaît? Non, mais là, il va pas continuer parce qu'il est énervé, parce que vous l'énervez, donc cassez-le un peu. Allô, là, c'est Max à l'appareil. Tu m'entends, Gérard? Ouais, je t'écoute. Là, j'écoute, là, les mecs, vous déconnez, là. Arrêtez avec le double son et laissez faire le débat de Gérard, c'était intéressant, merci. Putain. Merci, Max. Ok, Max. Alors, combien de temps vous dure une bouteille de parfum? Tu l'as déjà posé, Gérard? Non. Si. Bon, alors, la suivante. Que moi, quand je pars en vacances, ça me dure moins longtemps, tu vois. C'est exotique qui vient de répondre. Alors, ne parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît. Excuse-moi, exotique. Ouais, quand je pars en vacances, ça me fait environ l'année.
Ah bon, parce que tu pars pendant un an. Parce que c'est où, tu Tu pars pendant un an en vacances. Ça dépend des années, hein. Un jour, j'emmène ma bouteille et le jour d'après, non. Ouais, c'est Merlan. Mmh. Bah, je sais pas. Ouais, Gérard, tes chaussures. Vas-y. Tu penses quoi quand tu croises une femme qui sent le parfum? Non, mais attends, c'est pas toi qui poses des questions à ma place. Non, je te pose une question. Non, mais moi, pour l'instant, moi, je te demande de répondre à la quatrième. Et t'achètes le parfum dans une grande surface ou pas? Bon, alors moi, c'est terminé, moi, je laisse tomber. Oh, Gérard. Je peux répondre. Ok, bon, on fera un effort. Moi, je veux bien répondre une deuxième fois à la question, si. Tu mets ça, tu mets le disque. Gérard, est-ce que tu m'entends? Bah nous on t'entend en tout cas. Ouais. Ça passe pas à l'antenne, y a que moi, les auditeurs peuvent pas m'entendre, y a que moi là. Et tu essaies de gérer ton truc intelligemment, les auditeurs sont un peu idiots ce soir, mais essaie de faire ça intelligemment, le patron m'a dit que c'était bien. Mais tu demanderas plus tard. Non mais on peut pas, ils peuvent pas parce que sinon ça va passer à l'antenne, mais là je passe pas à l'antenne là. C'est hors antenne, d'accord? Ok, bon, de toute manière je te verrai tout à l'heure quoi. Ouais, on retourne en direct, là c'est parti. Non, donc vous répondez à la quatrième, donc on va demander après. Hey, t'éteins la musique, Fildar, s'il te plaît. Gérard, c'est guitare, j'ai pas répondu. Non, ouais, mais on va demander. Je crois qu'il s'en fout un peu de ce qu'on répond. Donc, alors, chaussure, vas-y. Non, c'est guitare, il voulait répondre. Alors, vas-y. Ah, ça me fait plaisir. En fait, je voulais dire que. Moi, j'utilise pas. Est-ce que vous pouvez me laisser parler? Vas-y. Gérard, tu gères ou. Vas-y. Vas-y, guitare. Ok, merci. Comme je t'ai dit tout à l'heure, moi j'achète pas de parfum, j'achète que des déodorants et ça me tient assez longtemps. Mais tu prends des sticks ou pas? En général, comme je suis pauvre, je t'ai dit, je vais voir les déodorants qui ont genre 50% de produits gratuits. Ouais, je vois pas. Et tu sais quoi, il y a même mieux à faire le matin avant d'aller à l'école ou des choses. Tu passes au supermarché? Vous calmez, s'il vous plaît! Ne crie pas! Est-ce que tu l'as déjà fait? Bon, guitare et chaussures, vous calmez, s'il vous plaît! Je réponds à la question, Gérard. Ouais, mais l'autre, il a pas besoin de répondre des conneries. Bon, les filles, alors, me dis pas guitare. Donc, Priscilla. Oui. Oui. Priscilla. Oui. Priscilla. Oui. Gérard, je te bouffe la queue! Bon, moi, vous commencez à m'énerver, je vais conclure tout de suite. Hein. Merde. Bon, allez, mais envoie un disque. Envoie. Vas-y, balance. Mais quelque chose, ils vont se calmer parce que ça commence à bien faire. Moi, je te préviens, s'il y a un disque, je me casse. Et bah, dans ces cas-là, tu. Attention, Gérard, tu prends un risque. Allez, tu mets un disque, ils vont se calmer. Si jamais on met un disque et qu'ils se cassent tous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bah, on arrête et c'est tout, parce que là, ça devient le bordel. C'est impossible. C'est impossible, tu t'amuses là, donc c'est même plus la peine de faire un débat. Hein. Ça, tu dégages de l'aria, toi, je te veux plus. Hein. Là, c'est le bordel. Merci pour me couper le son, donc. Mais non! Mais non, Gérard. Non, bah attends. Mais non. J'ai quoi là? Dans les oreilles, j'ai rien. Bah, c'est pas normal. Bah, nous, on a. Nous, c'est bon, hein. Nous, c'est bon, hein. Allô? C'est bon, nous? Non, mais moi, je te dis, je continue pas. Mais qu'est-ce que je fais, moi, alors? Non, non, tu te démerdes, tu rentres chez toi et c'est tout. c'est ce que je fais aussi. Rentre chez toi, Fidar, ok? Non. Tu t'envoies le disque et c'est tout. On va discuter. Tu voilà. On discute. Ça recommence et ça sert à rien. Et appuie sur son micro. Il était allumé, merci. Donc c'est la suite et la fin du débat sur les parfums. Donc c'est toujours le jeudi. On récupère exotique. T'appelles d'où, tu disais? Wow ouais, je veux dire, hey, vous êtes à l'antenne. J'aime bien les cochons blancs parce que c'est marrant quand même, à rien. Ouais, mais t'as quel âge? C'est Mathieu en fait du cochon blanc qui fait rigoler. Gérard, il est con, il fait si peu. Hein. Vous êtes à l'antenne, les auditeurs. C'est dans son dos parce que bon, moi. Hey, vous êtes à l'antenne. Vous êtes à l'antenne. T'appelles quoi? Mais t'es d'où toi? Allô? Allô, les auditeurs. Vous m'entendez, les auditeurs? Bon, vous êtes à l'antenne, je vous signale. Vous m'entendez, les auditeurs? Ne repasse pas tout de suite. Je crois que ça y est, c'est revenu, non, hein, vous entendez Gérard. Attends, on passe une autre chanson. Non, mais vous êtes à l'antenne. Manu, on va être à l'antenne là. Ouais, ça y est. Vous entendez Gérard là? Ouais, vous entendez Gérard, hein. C'est quoi ton prénom, jeune fille? Vous êtes à l'antenne. C'est quoi ton prénom? Bon, bah, bonne nuit. Comment tu t'appelles? Non, bonne nuit, on va réparer. Allô, les auditeurs? Ouais, donc vous êtes à l'antenne. Vous êtes maintenant à l'antenne. Maintenant. Oh, faut le dire comment? Vous êtes maintenant à l'antenne, on arrête la blague. Bah, mais de toute façon, bon. Merci. Manu, t'es pas drôle comme ça. Non, mais je vous signale, vous êtes à l'antenne. On est d'accord? Laisse tomber, il va nous couper. Vous êtes à l'antenne. Ah, ok. Bon. Ouais, c'était pas drôle. Hein. Alors, exotique. C'est l'autre. D'accord. Et ouais, qu'est-ce qui se passe? Bonsoir. C'est tout le temps exotique qui parle. Ouais, vous vous calmez, Merlan. Bonsoir, mon jeune ami. Merci de couper. Oh, mais merde.
Mais rien, c'est pas moi. Bon, c'est moi, pas c'est, moi, c'est plus. Oh non. Oh là là, ingérable. Non, non, bah, bon, est-ce qu'au moins on nous entend? Bon, et moi, c'est ouais, non, on vous entend, ouais. Il est là. Non, non, mais on nous entend. Non, non, mais l'arrière, depuis. Dans la communauté. Ça, c'est le vrai bordel. Allez, pas, on fait conclusion, moi, 3 ans. Non, non, Gérard, j'arrête. Non, non, j'arrête, c'est tout. Non, Gérard, arrête pas, excuse-moi, exotique. Dites à Gérard de pas arrêter les auditeurs. On en est où, je sais plus, moi, tu vois. Peut-on mélanger toutes sortes de parfums? Hein? Quoi? Comment? Peut-on mélanger toutes sortes de parfums? Oui. Bah, je crois que t'en es la preuve vivante, Gérard. Mais quoi, Gérard? Ça commence à bien faire maintenant! Gérard, calme-toi, tu deviens parano, Gérard. Il y a un problème. Gérard, vous êtes malade des nerfs. Gégé, je réponds. Eh, t'as abusé du parfum, mon copain. On pourrait peut-être cotiser pour payer une semaine de décontraction. Non, mais fait exprès. AGG, ouais. AGG, ça lui ferait du bien. Ouais, mais moi, je pense que c'est un lit. Je te signale que c'est la dernière question que je fais. Mais non. Mais non. Si, moi, 3h30, j'arrête. Non, mais étant donné que t'es connu, tu veux pas lancer une marque de parfum? Ouais, pas le GG qui pue. Ouais, mais c'est pas la peine qu'il nous emmerde, hein. C'est inutile de gueuler, hein, on avance pas. Alors, peut-on mélanger toutes sortes de parfums, Jeanne, tu voulais répondre? Ouais, bah écoute, je te réponds, GG. Ça dépend des fragrances. C'est-à-dire? Ben, ça dépend de... Je sais pas, ça dépend des senteurs, au fait. Ouais. C'est-à-dire, en fait, ça dépend ce que tu mélanges. Ça dépend si tu mélanges, ouais, mais la fraise et le citron... Plus ou moins fort ou pas, je sais pas moi comment on fait. Du musc, de la vanille, des trucs comme ça, il faut que ça colle les senteurs, faut pas faire n'importe quoi. Enfin, maintenant c'est selon les goûts, les couleurs et les odeurs quoi. Mais de toute façon, je pense que t'en es la preuve vivante, GG, qu'on peut mélanger des parfums. Ouais. Moi j'ai eu l'occasion de te croiser pas loin des chiottes de la loco, bon je vais pas en parler. Je vais pas en parler. Guitare, tu continues comme ça, tu as dégagé. Non, non, mais c'était juste pour te dire où je t'avais croisé quoi, histoire que tu vois un petit peu, je sais pas si tu te rappelles. Et comme quand tu es passé devant moi, j'ai senti effectivement qu'on pouvait mélanger des parfums, vu que j'ai pas vraiment compris ton odeur, disons. Ouais, d'accord. Eh ben, je voulais juste te dire que ça puait toujours autant dans ma radio, quoi. D'accord, bah si ça te plaît pas, bah, t'éteins ta radio et ça me prend une belle jambe. Et okay. Gérard, est-ce que toi tu mélanges plusieurs parfums? Bah attends, je finis avec les gens, d'accord? Ok, tu répondras après? Je répondrai après. Chaussures. Je te remercie. Gérard, c'est Chaussures, je voulais savoir si le nouveau slogan de Fun Radio c'était « C'est fun, ça pue ». Et tes chaussures, elles sont bonnes? Que le jeudi, hein. Que le jeudi de 1h à 4h, ok. Et tous les jeudis, c'est pareil! C'est ça. Merlan. Ouais, bah écoute, non, c'est impossible de mélanger des parfums. C'est inconscient de poser une question comme ça. C'est inconscient. Exotique? Moi, je crois qu'on peut pas mélanger les parfums. Et tu sais pourquoi? Non. Parce que quand on mélange des parfums, bah en fait, tu formes une nouvelle forme de parfum. Et je crois que bah, les dérivés qu'on montrait. Que le parfum lui-même qui est au début mélangé par les premiers parfums qui eux sont déjà mélangés par d'autres, ce qui fait que quand toi tu te vaporises de ce parfum, c'est un parfum et une odeur en fait, puisque tout était mélangé. Et moi ce que je voulais savoir, c'est faux exotique. Non, c'est bon là. Non, moi je voulais savoir. Bon, moi je suis pas d'accord. Aujourd'hui on pouvait vendre ou non des parfums qui ne sont en rien. D'accord. Bon, donc une question que. Merci pour celui qui s'amuse à ça. Une question que je vais poser là, je pense que tout tu à l'heure. Tu réponds pas, donc quand tu moi, moi je mélange du parfum, ça dépend des jours, c'est tout. Qu'est-ce que tu mélanges comme parfum? De tout. Ah bon? Donc, tu es d'accord avec moi, Gérard, quand je dis que quand tu mélanges plusieurs parfums, ça sent plus rien? Non, pas du tout. Bon, celui qui s'amuse à faire ça, il arrête, s'il te plaît, merci. À mon avis, c'est guitare. Donc, alors, que pensez-vous? Pensez-vous que les parfums ne sont pas à la mode? Oui. C'est qui c'est qui vient de poser la question? Bah, mais en fait, toi qui as posé la question, t'es pas drôle, quoi. C'est toi qui as posé la question. Mais je cherche pas à être drôle, moi je pose des questions, c'est tout. Bah, non, ouais, mais toi tu as posé les questions. C'est pas toi qui commande, d'accord? Voilà. Bon, ça y est, oui? Bah, pose-la toi-même la question. Mais GG? Alors, moi, la question que je pose. Vas-y. Que pensez-vous lorsque vous croisez une femme qui sent le parfum? Bah, c'est exotique. Ouais, exotique. Bah, une belle femme, quand tu la vois, quoi, tu vois, quand t'es dans la rue, ou je sais pas, sur une esplanade, ou sur un trottoir, ou bien encore même sur une plage, ou tout. Enfin, de toute façon, les senteurs, tu peux les avoir partout. En fait, ce que je veux dire, c'est quand tu croises la fille et que tu ressens quelque chose pour elle, bah, le parfum,
Il n'y a qu'après que tu le découvres. Eh hey, oh, celui qui s'amuse à m'envoyer de la musique, il arrête, s'il te plaît, merci. Mais il n'y a pas de musique. Non, à peine. Bah non. C'est pas une question de parfum. Qu'est-ce que t'entends, Gérard? Ah ouais. Bah non, y'a rien. Bien sûr, mais y'a rien, Gérard. Là, ouais, là Gérard va mettre le casque sur les oreilles, y'a rien. Y'a rien. Bien sûr. Donc, exotique. T'es d'accord avec moi, un peu pareil, ouais, moi je suis d'accord, grave, exotique. Hein. Mmh. Je crois que personne n'en a rien à foutre. Mais non, mais je suis sûr qu'il y a du monde derrière toi, en fait. Non, mais bon, personne n'écoute, quoi. Bon, Merlan. Ouais, bah, attendez, ça fait deux fois que je te pose la même question, tu veux pas me répondre. Merlan. Bah écoute, moi, ouais, ça me fait craquer, quoi, de voir une femme qui passe avec un bon parfum, et je me retourne, et je la mate, quoi. Et je fais, hey, tu peux pas faire peut-être. Non. Chaussures. Gérard, c'est guitare. Ouais. Bah je vais pouvoir répondre. Je voulais dire que j'apprécie les femmes qui ont un bon parfum, mais surtout si elles sont bonnes, en fait. D'accord. Chaussures. Lâche-moi. Bon bah alors lâche-moi, bah dans ce cas-là tu dégages. Voilà, comme ça je vais te lâcher. Bonne nuit, chaussures. Priscilla. Oui. Priscilla. Ah, moi franchement, quand je croise une femme qui sent le parfum. Tu te touches? Non, je me touche pas du tout, je me dis qu'en fait elle pue le parfum. Non, c'est vrai, il y a des gens qui mettent des fois trop de parfum. Non, mais attendez. C'est quelque chose, c'est guitare. Non, guitare, ça suffit. Dans la radio. Pourquoi ça suffit? Laissez-moi terminer. Comment ça suffit? Mais pour l'instant, vous laissez terminer. Et je peux pas répondre alors. Laisse béton, il est vénère encore une fois. Bon, Priscilla. Oui. Donc pour toi. Putain, je sais plus ce que je disais. Tu disais quand tu croisais une fille, tu touchais. Voilà. Non, je me touche pas. Si, c'est ce que t'as dit, Brice. C'est ce que t'as dit. Hein. Ouais, tu as fait un flacon de la DAD. Je me touche, d'accord. Voilà. Et tu te touches bien profond ou pas? Avec 4 doigts, ouais. Jeanne. Bien profond ou pas? Profond, bah tu mets ça. Bon, Priscilla. Oh oui, hey, vous vous calmez, s'il vous plaît. On veut savoir si elle met le droit. Non, mais oh. Bon, exotique. Bon, allez. Allez, hop, terminé, conclusion. Merci, Pulgar. J'ai pas répondu. Merci de quoi? Non, mais merci, tout le monde est coupé. Moi, j'ai de la musique dans mon casque. J'entends même pas ce que les gens disent. C'est super. C'est bien pour ta dernière. Tu fous bien à ta merde. Eh ben, on fait conclusion. Eh, voilà. Mais pourquoi c'est ta dernière? Je peux répondre. Vas-y, dépêche-toi, c'est fini après. C'est Jeanne. Je voulais te donner une citation. Excuse-moi, tu veux pas te rapprocher de ton combinet? Ouais, voilà. Donc, Gégé. Là, tu sens bon, ma chérie. Ouais, merci. Gégé, tu m'écoutes? Le débat, là. Non, mais attends, tu permets, quand on arrêtera de mettre de la musique dans quoi, le casque. C'est quoi la musique? Merci, donc, voilà. Si tu sens bon. Comme ça, voilà. On a France Info dans le casque, ouais, c'est ça? France Info, allez hop. Mais qu'est-ce que c'est quoi ce bordel? Mais non. Gérard, gère ton débat. Gérard, alors, en fait, c'est une zone neutre, tu peux dire. Mais c'est bien, nouvelle, d'un côté. Là, Gérard. Écoute, Gérard, d'un côté. Hey, guitare. Ouais, tu m'entends? Non, mais Gérard. C'est guitare, c'est violon. Non. Mais Gérard, d'un côté, tu fais ton débat, et de l'autre côté, tu t'informes. Attends, je travaille pas comme ça, non. Non, c'est fini, là. C'est terminé. France Info, la pub. Putain, Gérard. Mais attends, mais c'est pas moi. Mais si, patron, c'est toi. Mais non. Maintenant, c'est plus rien. Mais si, attends, moi j'entends. Ouais, bah pas moi. Moi aussi j'entends, Gégé. Ok, comme je t'ai dit tout à l'heure. Bon, Jeanne, tu réponds s'il te plaît. Oui, bah écoute, je te disais, moi je vais te donner. Ah, bah t'es revenu. Mais attends, j'entends rien. Tu nous entends là. Gégé, tu m'écoutes? Je t'écoute. Tu nous entends? Comme disait le poète écrivain français Montaigne. Il disait que quand une femme... Montaigne ou montagnier? Allez. Montagne. Bon, je peux pas parler, je suis désolé. Eh ben voilà, bon, encore une fille déprimée. Au lieu de m'assiner là, je voudrais bien avoir les auditeurs, hein, jolis. Rire et chanson dans le casque pour qu'il nous raconte une blague. Celui qui a des questions, il veut pas aller poser... Non, t'es personne. Conclusion. Non, y'a pas de conclusion. Non. 25 minutes d'émission, pas de conclusion, c'est pas possible. Non, mais dans ce cas, là, moi, je continue pas à travailler avec vous pour l'instant. Moi, j'arrête. Bon. Bon, bah, Fildar, alors, on sort, hein. On fait comment on sort? Qu'est-ce qui se passe, Gérard? Quoi dans le casque? Bah, attends, de la Formule 1 maintenant, il y en a un qui s'amuse à mettre la radio. Je croyais que t'aimais bien la Formule 1. Allez, hop, non, mais attendez, on est en train de passer France Info sur Fun Radio, c'est n'importe quoi. Non, moi, c'est terminé, on fait conclusion, moi, j'arrête. Bon, on va écouter les infos, quand même. Attends, hier, en Algérie, gère ton truc, ça va gueuler, mon patron va me tuer. Attends, moi je travaille pas avec deux. Bah c'est de notre faute peut-être. J'ai la honte. Mon patron est en train de me tuer. Attends, mais c'est quoi là ce bordel? Moi je continue pas avec. Mais c'est la dernière, de toute façon, tu vois. Non, mais tu dégages de moi aussi alors. Dans 20 minutes je me casse. Non, mais tu vas te casser tout de suite. J'arrête tout.
J'arrête tout. Ouais, bah tu m'envoies les auditeurs et tu la fermes. Et c'est terminé. Tu m'envoies les auditeurs et tu la fermes. Vous m'avez trop fait chier. Ouais, bah toi aussi. Filou, tu vas me manquer. Ouais. Macaque. Bon, allez. Bon, je te répondais. Donc, Jeanne. Ouais, bah écoute, moi je te disais, comme disait le poète Français Montaigne, écrivain. Espèce de macaque. Quand une femme passe avec vous, si une femme passe à côté de vous et sent le parfum, vous êtes perdu. C'est toujours l'heure des infos. Bon. Je suis désolée, je t'ai pas entendu, c'est pas grave. Non, mais je sais, c'est pas grave. C'est pas moi. Non, c'est pas toi, c'est qui? C'est le pape. Bon, allez. Il faut des nouvelles de Nagano, alors l'athlète kurde au bobsleigh. Oui, alors il neige. A fait troisième. On voulait savoir s'il allait neiger à Noël. Bien sûr que oui, mais pas Nagano. Bon, allez, on fait pas conclusion. Ouais, mais quand Paradis. Vous arrêterez avec Nagano, là. Oh. Alors, la météo pour demain. Conclusion, d'accord. En impôts, Gérard, tu veux pas faire un petit quart d'heure de libre antenne avant? Ah, non, moi j'arrête. Ça peut être sympa, Gérard. Demandez à Max. Ouais, moi je suis d'accord, libre antenne avec Gérard. On va passer un disque. Pas avec des doubles sons. Gérard, tu vas te mettre un doigt et puis on revient. L'autre il va éteindre, tu vas voir. Juste un doigt avant. On fait une libre antenne alors, Gérard. Mais un disque, Gérard, on fait une libre antenne. C'est dans. Ça va. Non, moi j'arrête. C'est impeccable là le son. Voilà, tiens. Eh GG, on t'entend plus, hein, c'était débat, mais bon. Continue, persévère. Bah j'ai des annonces à passer, alors moi je... Attendez, parce que là ça va finir en bagarre dans le studio, il y a Phil... Tu dégages. Phil qui va se prendre des coups pour de vrai en plus, alors. Non, arrête, voilà. Calme-toi. Non mais c'est bien le son, il est bon là. C'est le son de tous les jours. Non, ouais, c'est ça, c'est le son de tous les jours, pauvre tâche. Donc conclusion, exotique. Pas télévisé. Exotique. Ils veulent pas conclure les mecs, ils ont envie d'attendre la fin du débat. Ah non, moi j'arrête. Il y a encore 20 minutes de débat là. 20 minutes. Non, moi j'arrête, je continue pas dans des conditions comme ça. C'est con là, c'est con. On y va. À 3. Regarde, les mecs ils appellent, relance le standard. Tu sais qu'il y a des mecs qui font une semaine de jeûne pour bouffer tes débats. Alors donc, si vous voulez continuer d'appeler, vous pouvez toujours appeler au 0803 08 5000 et 0870 5000 et toujours 3615 code Fun Radio rubrique direct. On se retrouve tout à l'heure pour la suite des débats. Ouais, attends, Gérard. Non, écoute-moi, honnêtement, comment tu veux que les gens ils appellent? T'as pas le sourire, t'as l'air aigri. Fais-le avec le sourire, les numéros de téléphone. Vous avez qu'à arrêter de nous faire. Vous avez qu'à arrêter de foutre votre merde un peu. Ah bah c'est nous peut-être. Ouais. Donc, avec le sourire. Si vous voulez toujours nous appeler, il y a avec le sourire, regarde. Bon, ta gueule, toi. 0803 08 5000. C'est pas compliqué. 0808 5000. Alors, que pensez-vous que. Donc, on va mettre un disque, je poserai la question tout à l'heure. Bah non, pose la question maintenant, comme ça, ils réfléchissent pendant le disque. Ah là là. C'est tout lire. Ah là là, il est vrai gamin. Ah. Alors, pensez-vous que le parfum attire les gens et on se retrouve juste après? C'est prodigie que vous venez d'écouter. Non, prodigie. Prodigie, ouais, bon. C'est bon. Donc, on récupère Exotique. Salut. Re-salut. Merlan. Bonsoir. Re-salut. Chaussure. Bonsoir. Chaussure. Oui, je suis là. Non, il est parti, Chaussure, on le rappelle. Bonsoir. Donc, Priscilla. Oui, bonsoir. Re-bonsoir. Guitare. Ah, c'est pas guitare, c'est violon. Rebonsoir et Jeanne pour finir. Bonsoir. Rebonsoir. Alors donc. Et ça recommence. Fildart, tu vas me percher jusqu'à 4h du matin. Non, mais là, comme ça commence à bien faire. Ouais. N'énerve pas le violon, ça sert à rien. Que pensez-vous que le parfum attire les gens? Ah, moi, par contre, il y a la question que j'ai pas répondu là. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Vas-y, réponds. Moi, je peux vous dire une chose, que dans le métro, quand vous croisez une nana, je sais pas si Guitare, Merlan et Exotique t'as suivi. Ah bah, Guitare, il en croise souvent dans le métro des nanas. Ouais. Moi, je peux te dire une chose, que dans le métro, quand tu croises une nana, on se demande si elle a pas vidé la bouteille de parfum sur elle. C'est un peu comme toi, Gérard. Moi, je réponds, c'est Exotique, je dis que t'as bien raison quand tu dis ça, parce qu'il y a grosses putes. Toi, des meufs qui sont énormes. Oh bah, rien. Et bah, qui puent. Ouais, mais là, je vais vous dire. Généralement, c'est des grosses qui puent. Non, mais pas généralement. Mais moi, je peux vous dire, la personne qui vient prendre ma place tout à l'heure, je viens de sentir le parfum. Je sais pas ce que c'est comme parfum, mais alors. Elle est grosse. Marine, est-ce que tu peux sentir Gérard pour nous dire s'il sent bon? Mais j'ai mis de l'Antarctique, hein. Tu sens super bon, Gérard. Mais moi, j'ai mis de l'Antarctique. Non, ça pue. On veut savoir c'est pour si les chiottes, gros. Ça, t'as mis de l'arpic WC, Non, tu vois, est-ce qu'elle non, est il pue la merde. Bah, Martine.
Martine, je sais pas, je connais pas de Martine. Je t'ai dit que l'Antarctique c'était pour les chiottes. Que pensez-vous que... Gérard, il pue la merde. Gérard, il se met du Arctic. Non, de l'Antarctique, c'est pour, tu sais, pour... Même Gérard. Pour les chiottes, là, quand ça pue. Il a de l'air Gérard, week, il aime les pipes. Ah, il se parfume à l'air week. Ouais. C'est ce qu'il aime, Gérard. Et là, il est en train de vous siffler ce qu'il fait quand il chie. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Bah, quand tu dis tu sais ce qu'il aime, Gérard, toi, tu réponds un coton-tige dans son cul. D'accord. C'est ce qu'il te dit. C'est avec ce qu'il dit dans le 92, hein. Ah, bah, ouais. C'est vrai, Gérard? Ah, bah, à la sortie des écoles. Là, bah, c'est bien, alors. Tu me diras où? Qu'est-ce qu'il aime, Gérard? Mettre un coton-tige dans son cul. Bon, alors, pour finir, que pensez-vous? Pour finir, tu ne sais même pas parler, lui. J'étais pas content, c'est le même prix, merci. Pour finir, t'as abusé sur... Bon, c'est Max, là. Gérard, tu m'entends? Je t'écoute. Ouais, ils m'entendent pas, là. Le dernier quart d'heure, essaie de les gérer correctement, parce qu'apparemment, ils sont un peu abrutis ce soir. Hein. Ouais, j'ai l'impression. Bon, on va retourner sur l'antenne. Attention, Fildar, tu peux nous remettre sur l'antenne? Top antenne. Attention, top antenne. On est sur l'antenne? On est sur l'antenne, oui, l'antenne. Oui, vous êtes à l'antenne. Je comprends plus rien, là. Oui, ouais, vous êtes. Non, mais vous êtes à l'antenne. Alors, pensez-vous que le parfum attire les gens? Oui. Ça dépend. Donc, c'est violent. Ouais. C'est fait pour, hein. Non, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que, par exemple, Gérard, lui, il met du parfum, c'est pour une raison bien particulière. Non, c'est répulsif, Gérard, mais en général, c'est... Mais non, c'est pas répulsif. Non. C'est que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il est pro du mélange d'odeurs, quoi. Ah, ben voilà, il y a des gens qui puent naturellement, et lui, c'est son cas, donc il est obligé de mettre plusieurs parfums. C'est Max. C'est convulsif. Ouais, mais ça passe pas l'antenne. Non, parle pas, toi, parle pas. Eux, ils m'entendent pas. Tu parles pas. Te laisse pas faire par les auditeurs quand ils te parlent. Pourquoi il y a du blanc là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'étais en train de dire que Gérard, il mettait du... C'est parce que Jeanne pue naturellement. Jeanne, oui, s'il te plaît, tu réponds merci. Ah, c'est pour ça que ça pue dans ma radio. Bah, c'est pour ça. Vas-y. Donc, bien sûr que ça attire le parfum, sa connotation. Ah, mais ça attire les animaux. La première fonction du parfum, GG. Il attire les guêpes, genre. La séduction. Tu vois? Donc, c'est comme les abeilles qui sont attirées par le miel. T'as des miels dans les oreilles. Je laisse pas faire, hein. Gérard, parle, parce que là, c'est nul, hein, le débat. Et puis, donc voilà, c'est important, quoi. C'est bien, c'est forcément que ça attire les gens. Tu veux que je t'aide un peu? Priscilla? Oui. Bonjour, Gérard. Tu veux que je t'aide? C'est Max. C'est quoi? Ouais, bah, viens, là, parce que c'est le bordel, là-bas. Reviens là, si tu peux, parce que c'est le bordel. Bah, je vais voir, parce que je suis en haut, là. Je suis tout en haut pour les émetteurs. Il y en a marre que Martine, elle se fasse tout le temps. Ouais, Gérald, t'es une vraie tapette, hein. Fildar, tu t'accroches, s'il te plaît. C'est pas une tapette, un trou du cul. Il arrive pas tout seul à gérer son débat. Mais c'est vrai. Priscilla, s'il te plaît, tu réponds. À part les cotons-tiges, hein. Rebonsoir. Tu sais ce qu'il aime? C'est quoi, déjà? Alors, pensez-vous que le parfum attire les gens? Oui. Oui, oui, mais je te dis, mais c'est fait pour... C'est Gérard. C'est pour toi, mais c'est aussi fait pour plaire à l'autre et donc l'attirer. En un seul mot. Mm-hmm. Tu crois qu'en mettant du parfum, ça attirera les gens plus qu'avant? Bah, la preuve, c'est que si tu croises une bonne femme, tu prends le remix de Christine. Eh, GG, c'est exotique. Ouais. À ton avis, si le parfum que ta copine, elle se met, ok? Ouais. Et dans le métro, tu reconnais ce parfum-là, d'accord? Et tu la vois de dos, d'accord? Et tu fais, ah, Sandy, c'est toi? Ah, je te retourne, tu vois que c'est un mec. Eh ben, exotique. tu retournes au standard. Salut, exotique. Non, salut. C'était pour prouver que le parfum... Salut, exotique. Salut. Oui. Je voulais te donner une situation très simple. Imagine-toi, il y a deux nanas dans le métro. Il y en a une qui pue et l'autre qui sent bon. Vers qui tu vas aller? Non, mais attends, de toute manière, la question, on l'a déjà posée tout à l'heure. Mais GG, là, tu poses bien la question, est-ce que le parfum vous attire? Ouais, mais moi, j'irais vers celle qui a plus de parfum. Charme. Donc, non, mais... Non, c'est même plus de charme. Non, mais c'est une question d'odeur. C'est mais je viens de te répondre. Gérard, c'est trompette. Mais il a pas de nez. Donc, tu vas aller vers celle qui pue, c'est ça? Ouais, là, je viens de te dire, celle qui a le plus de parfum. Oh là là là. Mais pourquoi? Gérard, c'est trompette. Ouais. Qu'est-ce qu'elle serait comme parfum, Sandy? Ça te regarde pas, salut. Mets de l'eau de toilette. Alors. Eh, GG, on voulait savoir, est-ce que tu te parfumes au parfum? À ton avis? Je me parfume à quoi? Toilette, hein. Ça peut être au déodorant comme moi. Ou au stick. Au stick, ah ouais. Ou tout simplement. Wow. Ou à l'eau de colonne, ou encore des choses comme ça. Alors, ou à la dernière. Peut-être. Ouais, c'est bon, là, vous vous calmez. Pour la dernière, on accueille l'AC. Pardon? Un peu active. Oui, bonsoir. Salut. Bonsoir Gérard, je suis pas trop content, c'est Tony là, je suis avec Goldorak et Arnett. Je suis pas trop content parce que je suis obligé de prendre des faux noms pour passer dans tes débats, donc là je descends. Je suis à côté de la réseau. Je casse la tête à NJ puis je descends. A tout de suite.
Salut. T'as entendu? Ils sont tellement vénères qu'ils vont venir te pécho là, quoi. Ils vont venir, hein. Qu'est-ce qui se passe dans la maison? Ça te fait pas peur? Moi, c'est des conneries, puis c'est tout. Qu'est-ce qui se passe dans la maison? Mais c'est s'ils arrivaient là, Gérard, c'est trop bête. S'ils arrivaient, tu faisais quoi? Ah bah putain, les bras. Ah bah les voilà. Oh putain. Là, tu fais moi le malin. Alors? Pourquoi vous venez? Ouais, ouais. Ça t'a pas fait plaisir? Ouais, bah ça t'a pas fait plaisir, c'est le même prix. Pourquoi pas, Gérard? Alors, achetez-vous, pour la dernière question, achetez-vous votre parfum dans un... Achetez-vous votre parfum dans gaffe, une grande surface ou pas? Il veut te pécho ta montre. Fais gaffe, Tony, il veut te pécho ta montre. Pensez, achetez-vous votre parfum dans une grande surface ou pas? Et Pierre, je veux répondre. Vous allez répondre? C'est pas trop fun, là, je voudrais répondre. C'est Jean-Paul, je voudrais répondre. Oh là 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 là. Mais c'est le bordel, vous allez répondre, les auditeurs, j'aime pas trop qu'il y ait la merde comme ça dans le studio. T'emmerdes, moi, trop des culs. Eh, c'est D3. Qu'est-ce que c'est, D4? C'est D3, j'ai pas dit D4. Bon, tu réponds, parce que vous commencez à me gonfler. Alors, moi, je voulais répondre, parfaitement, c'est D4. T'as pas une clope, Gérard, s'il te plaît? Gérard, tu peux faire quelque chose? Bon, elle est terminée, moi, Gérard. Allez, conclusion. Gérard, tu peux faire ma conclusion en premier? Alors, vas-y, on arrête. Parce que donc c'est D4, par rapport au parfum, donc je voulais dire que... J'aimerais bien que t'arrêtes, là, je sais pas qui c'est. Je voudrais dire que ça pue toujours autant dans ma radio, hein, malgré que tu mettes du parfum. Eh ben c'est bien, ben, bonne nuit à toi. Bonne nuit à toi. Ça pue la merde, la chiasse, le vomi, tout en même temps, quoi. Comment ça se fait? Bon, allez. Bah, je crois que c'est à cause de Gérard, ça pue que le jeudi. Mais pourquoi c'est Gérard qui puerait comme ça? Bande de câbles. Bah, parce que c'est lui qui a l'antenne. Bravo, bravo. Je crois que c'est à cause qui... Tu sais ce qu'il fait avec sa main droite? Mais les mecs, merde, Gérard, tu dis tout ça. À mon avis, c'est parce Fildar, qu'il se plaint. Moi, je dis plus rien parce que chaque fois que je joue ma gueule, c'est encore une histoire. Voilà. C'est des câbles, Moi, je plains l'animateur qui passe derrière Gérard et qui a le nez sur le même micro, quoi. À mon avis, il se lave pas. Ah, mais Marine, elle se met pas sur le nez le micro, t'inquiète. Eh, pourquoi Martine, elle est pas là encore? Ah, c'est peut-être pour ça que Martine, elle se parfume autant. Bah, pourquoi Gérard, il pue autant? Et bah, pourquoi t'es aussi con? C'est des questions qui restent en pouvoir posées et qui ont pas de réponse. Voilà, prochain débat. Gérard, tu peux faire un prochain débat comme ça? Pourquoi tu pues? Et pourquoi que vous êtes aussi con avec moi? Pourquoi t'es aussi con avec nous? C'est surtout ça, ouais, genre, pourquoi t'es aussi con avec nous, quoi? Ah, comme tous les jeudis, maintenant, règlement de compte. Allez, 10 minutes, toi. Non, toi, mais c'est toi, vrai, en plus. Tu te casses. Et pourquoi tu fais pleurer les filles? Pourquoi tu fais pleurer les filles, Gérard? Ouais, Gérard, c'est honteux, hein. Tu t'es même pas excusé. Ouais. Tu t'es même pas excusé, Gérard, je trouve ça. Gérard, tu fais pleurer les femmes, arrête de te parfumer au lacrymo. Gérard, tu fais pleurer les hommes, Gérard, tu fais pleurer les femmes. Tu ne sais pas qui c'est qui peut faire la voix ici. C'est l'auditeur qui commence. Oh là 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 là. Non, mais là, t'as été nul, Gérard, sur les débats là. En plus, t'écoutes même pas les critiques. T'as changé. Ah, on m'a dit qu'il y a Tony et tout ça, ils étaient conclusion, là. Conclusion. Bon, allez, conclusion. C'est ma conclusion. Vas-y, Jeanne. Tony et Arnett, il paraît qu'ils puent. C'est vrai ou pas? Oh là 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 là. J'ai pas entendu. Il paraît que tu pues. Ouais, ouais, c'est vrai. Je suis à côté de Max, il peut confirmer. Bon, bah, je réponds. Vas-y, conclusion. C'est vrai que Sandy, c'est un boudin? C'est impressionnant, vous l'avez alors, pas devant vous. Jeanne, tu dégages, bonne nuit. Ah non, c'est savoir, pas moi. Et nous, les auditeurs, on voudrait savoir comment il est. Bon, Tony, conclusion. Tony, fait conclusion. Comme t'as écouté là, à peu près les deux débats, comme t'es là maintenant, tu vas peut-être pouvoir nous dire ce que tu penses des deux débats. Donc, le premier débat, c'était sur le parfum. Non, sur la Saint-Valentin. Sur la Saint-Valentin, j'ai trouvé ça très bien. Mm-hmm. Donc, j'aimerais savoir ce que tu vas faire pour ta Saint-Valentin avec Cindy. Ben, ça, tu lui demanderas tout à l'heure, parce qu'elle va sûrement t'engueuler. Cindy Crawford? Pourquoi elle va m'engueuler? Non, ben, tu verras bien avec elle. Elle fait du catch ou... Non, non, mais tu verras avec elle. Donc, moi, c'est dommage. Bon, donc... Oh, Manu. Donc, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y en a un qui fout sa merde. Ça se voit que c'est sa dernière, mais ouais, il a foutu sa merde. J'ai chié dans le coin, là. J'ai chié sous la console et je te chie. Voilà, donc vous allez retrouver... Marine pour la nuit sans pub et Max... Attends, on en avance, hein. Bah oui, bah on finit avec 5 minutes d'avance, comme t'es aussi con que la semaine dernière, c'est pas de mal. En fait, non, attends, encore 2 minutes, discute avec les gens 2 minutes. Tu veux pas me faire un poème pour ma dernière, en fait? Non, non, là, tu vas te faire foutre. Puis... Moi, je suis désolé, mais je pense quand même que tu devrais t'excuser auprès de la fille que t'as fait pleurer. Non, je m'excuse auprès de personne, et c'est tout. Et tu trouves ça poli, toi? Tu l'as fait pleurer, tu t'excuses pas? Après, tu veux que les gens ils soient polis? Non, mais toi, quand on vous demande quelque chose, vous foutez le bordel. Mais tu l'as fait pleurer, ça fait combien de temps que tu fais de la radio, tu sais même pas parler devant un micro? En plus, allez, c'est bon, on va terminer. Bon, alors ce qu'on va faire. Merci. Je fais ma conclusion. Salut.
Bon, alors ce que je disais, c'est que ce qu'on pouvait faire, c'est pour la Saint-Valentin, tu pourrais faire une déclaration à Sandy quand même, parce que c'est samedi. Non, mais de toute manière, la conclusion, ça, la déclaration, je lui ferai moi-même et bah tout, mais tu tout seul. Lui... Bah attends, je vais pas lui faire moi-même, c'est toi qui vas la faire, mais fais-le devant non. tous les auditeurs. Non, mais de toute manière, c'est ce que j'ai à lui dire, c'est tout. Et qu'est-ce que t'as à lui dire? Allume ton micro, Goldo. C'est le bouton rouge. C'est le bouton rouge. Non, ça c'est le pied, ça, bravo, Goldo. Bah, tu sais, je suis handicapé, je fais ce que je peux. Hein. Bon, non, allez, j'ai un petit poème. Non. Petit poème pour Sandy. Non. Pour Fildar. Bon, pour Fildar. Non, mais qu'est-ce que tu dirais. Pour le départ de Fildar, putain, c'est plus bonne chance. Qu'est-ce que tu dirais à Sandy le jour de la Saint-Valentin? Vas-y, Gérard. Non, mais elle sait très bien ce que j'ai à lui dire. C'est quoi? Et c'est quoi? Bah, elle sait. Elle moi, je sais pas. Bah, elle a qu'à venir vous le dire à l'antenne. Tu sais, Sandy, ce qu'il va te dire? Allez. Bah, viens le dire. Viens, ma chérie. Viens, ma chérie. Toi, tu calmes, sinon non, tu mais je déconne. Dans la tranche. Je suis sorti que deux mois avec. Ouais, bah, tu la laisses tranquille. Oui, je crois savoir. Il va sûrement dire que bah qu'il m'aime et puis que moi, je vais lui dire que je l'aime aussi. Vous allez faire un bébé alors. Bravo. Moi aussi, je t'aime, Gégé. Tu. Ouais, moi, Gérard, je voudrais te faire ma déclaration d'amour quand même parce que j'apprécie pas. Bon, il y a Sandy qui vient tâter de terre avant moi. Et, ah bah, attends, je vais faire ma flamme pour demain, mais bon. Ah bah, tu l'as démerdé. Non, mais de manière, on a prévu quelque chose et on. Un bébé. Non, on a discuté ensemble avec Sandy et je pense un que. Un chien. Toi, tu ferais mieux d'aller voir les singes. Un babouin. Ouais, toi, tu allais dans un zoo, tu allais voir comment ça se passe. C'est quoi le truc, Ben, je sais pas, je pense que Sandy a peut très bien le confirmer par, comme j'ai dit tout à l'heure pour la Saint-Valentin, donc ce que j'ai à lui dire, elle l'a eu. Donc, je pense qu'on a décidé quelque chose qui est normalement prévu pour, si tout se passe bien, normalement pour l'été, le jour de l'été. C'est quoi, Ben, je pense qu'on va se marier. Voilà. Oh Encore. Non, il faut répéter là. Là, j'avoue que même moi, Max, j'étais pas du tout au courant. Je la prends en même temps. Honnêtement, hein. Non, le choc. Alors, je vais te dire, si tu te maries, c'est la méga teuf là. Ben bah, voilà. Alors, c'est clair. On en a discuté dans le courant de la semaine. Et puis, bon, allez, d'accord. Donc, moi, il n'y a pas de problème non plus. Le 21 juin, quoi, le jour de la fête de la musique ou le jour de quoi? Le fête de l'été ou la fête de la musique? Bah, pour les deux, le jour de l'été, puis là, pour la fête de la musique. D'accord. Voilà. Gérard, tu nous enverras des faire-part? Ah non, ça... Ah si, on est tous invités, on vient tous. Ah si, si, si. On fera une grosse boum, alors, on fera une grosse soirée de folie, là. Non, c'était juste comme ça, au passage. Qu'est-ce que j'ai rien dit, j'ai rien dit. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Je répète. Ah ouais, bah non, on n'a pas le temps. Non, un trombone et puis c'est bon. Un trombone. Une tirette à 10 balles et c'est bon. Donc voilà, donc vous allez, je vous laisse sur ce. Donc, tu peux pas répéter la bonne nouvelle, c'est pour avoir un souvenir sur le net. Non, mais toi, j'en ai rien à foutre de ta gueule. Oh. Non, mais redis, qu'est-ce qui va se passer, vas-y. Donc, auditeur, auditrice, écoutez bien, Gérard va vous le dire en direct. Donc pour le jour de la fête de la musique et le jour de l'été, on se marie. Avec Sandy. Voilà. Wow. Sur ce, on vous laisse là-dessus. Vous allez retrouver Marine pour la nuit sans pub. Voilà. Gérard, bah pour mon départ, je vais te faire un cadeau quand même. De quoi? Donc, mais normalement, j'avais dit non parce que comme les gens ont pas été tellement sages, tant pis, on va le mettre quand même. D'accord. Salut Gérard. Ouais, je t'aime quand même. Donc, voilà, je préfère prévenir tout le monde maintenant. C'est clair. Mais Gérard! Donc.